Sourate Les Arracheurs. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Par ceux les anges qui arrachent violemment les âmes des dénégateurs. Par ceux les anges qui recueillent avec douceur les âmes des croyants. Par ceux les anges qui se déploient rapidement à partir du ciel, puis s'élancent en tête, puis exécutent les commandements émanant de Dieu. En vérité, le jour où une violente secousse, secoura, la terre, suivie d'une seconde, ce jour-là, les cœurs de bien des hommes seront saisis d'effroi, leurs regards abaissés. Ils disent, serons-nous ramenés à l'ancienne vie, alors même que nous ne serions qu'ossement dissous? Ils disent, ce recommencement serait alors voué à l'échec. Il suffira d'un seul cri et les voici faisant surface, hors de leur tombe. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Lorsque son Seigneur l'appela dans la vallée sacrée de Tuva, va trouver Pharaon. Il se rebelle au-delà de toute limite. Puis, dis-lui ceci Es-tu disposé à te purifier de tes péchés et à me laisser t'indiquer la voie qui mène vers ton Seigneur afin que tu le craignes en agissant conformément à ses prescriptions Il réalisa sous ses yeux le grand prodige, le signe majeur, mais il le qualifia de mensonge et s'obstina dans sa désobéissance. Puis il tourna les talons et entreprit de préparer sa riposte. Il rassembla son peuple et leur déclara, C'est moi votre Seigneur le Très-Haut. C'est alors qu'il lui infligea un châtiment exemplaire dans la vie ici-bas et dans la vie future. En vérité, il y a en cela un enseignement, à méditer, pour quiconque craint Dieu. Êtes-vous plus difficile à créer que le ciel Il l'a pourtant édifié, en a élevé la voûte et l'a ordonné harmonieusement. Il y a créé une nuit obscure, de laquelle il fait poindre les premières lueurs de l'aube. Et la terre, il l'a aplani, et il a fait jaillir son eau et pousser ses pâturages. Et les montagnes, il les a solidement ancrées dans le sol, afin de stabiliser la terre. Tous ces bienfaits créés, pour votre bien-être et celui de vos troupeaux. Mais lorsque surviendra le grand bouleversement, ce jour où l'homme se rappellera les œuvres qu'il a entreprises, et que la GN sera dévoilée à qui verra. Quiconque aura été outrancier, optant pour ce monde ici-bas, aura certes l'enfer pour demeure. Mais quiconque aura redouté ce jour où il aurait à comparaître devant son Seigneur, et n'aura pas cédé à ses penchants, aura certes le paradis pour demeure. Il t'interroge à propos de l'heure du jugement dernier, à quand son avènement que pourrais-tu en connaître pour pouvoir l'évoquer Son échéance est connue de ton Seigneur seul. Quant à toi, il t'incombe uniquement d'avertir ceux qui la redoutent. En vérité, le jour où ils seront ressuscités, il leur semblera qu'ils n'ont vécu sur Terre que le temps d'une soirée ou d'une matinée.